étudié Paul Colli, un jeune catholique, qui a fait ses activités au niveau de la paroisse, comme tout bon jeune catholique. Donc j'ai été scout à Saint-Pierre-de-Bavop, responsable des scouts à Saint-Pierre-de-Bavop, avant d'être commissaire de district chez les scouts. Branche rouge. Puis commissaire régional de la Branche rouge, et ensuite commissaire régional de Dakar. Un poste que j'ai quitté donc il y a 3 ans. Mis à part cela, les activités dans la paroisse, j'ai été dans la coordination des jeunes, comme tout bon jeune, je dirais. Et donc voilà, c'est ma vie au niveau de l'Église. Après, c'est un jeune qui est assez engagé dans son quartier, responsable de l'ASC, et donc qui a viré dans la politique en étant responsable de Andoudol El Khalifa Sall dans la commune de Mermont-Sacré-Cœur, qui est passé conseiller municipal de la commune en 2014, et donc aujourd'hui qui est conseiller municipal de la commune de Mermont-Sacré-Cœur, membre du cabinet du maire et président de la commission à loisirs et culture. Voilà un peu de façon ramassée qui est l'idée. Naturellement, la foi, elle guide forcément, parce que de par le parcours dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a plein de choses qui nous ont été inculquées. Donc c'est normal que ce soit des choses qui influent sur les décisions qu'on est en train de prendre. Quand on parle de foi, on parle de notre Église ou de notre croyance en l'Église catholique, ou en la religion catholique, mais aussi il y a beaucoup de choses à côté qui s'y greffent et qui fortifient cette foi-là. Donc c'est ça, tout le parcours qu'on a eu à faire influe forcément sur les décisions qu'on prend tous les jours. Victime de corruption ou autre? Victime de corruption, forcément. Forcément. Donc, mais je pense moins, un peu moins que certains, parce que je sais pas, on a peut-être cette étiquette là qui n'est peut-être pas vraie. On dit que c'est un catholique, en plus c'est un djola, c'est compliqué de le corrompre, donc oui. Voilà, les gens n'osent pas trop, mais bon, dans des discussions des fois les gens ont tout le temps une manière subtile de te dire ben, est-ce que tu veux prendre quelque chose, voilà. Mais bon, on n'y cède pas. On n'y cède pas, et je pense que c'est justement ce parcours-là dont on a parlé qui nous permet de ne pas céder. Oui, mais justement, ma maman me reproche souvent de ne pas aller trop à la messe. Et pourtant, moi, j'aime bien la messe. Mais bon, à un certain moment dans notre vie, on n'avait pas un programme aussi chargé que celui-là. On allait tout le temps à la messe, pour ne pas dire souvent. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que un samedi soir, tu veux y aller, il y a une activité. Un dimanche, toute la journée, il y a une activité. Mais on n'oublie pas de prier, hein, parce que nous avons choisi de faire de la politique. Et si on n'y va pas, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est ça. Mais j'insiste dessus, nous n'oublions pas de prier. Oui, elle me reproche souvent, ouais, oui. Parce que le dimanche, des fois, ils se lèvent, ils vont à la messe en famille pendant que moi, je vais autre part. Voilà, on me le reproche souvent. Mais ce sont malheureusement des activités et il faut y aller. Mais on sait tous que quand on fait de la politique, on doit être proche des populations, on doit être proche d'un certain nombre de choses et il faut y être. Quand une activité se passe le dimanche à 10h, par exemple, moi je suis de Saint-Pierre-de-Bavop, et ça aussi c'est peut-être un défaut chez moi, un défaut chez plusieurs catholiques, je n'arrive pas à aller à la messe autre part. Je ne vais qu'à Saint-Pierre. Et donc quand je rate ma messe de 10h, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, des fois, ce que je suis obligé de faire, c'est d'aller à la messe de 7h30.
Là, je sais que ceux qui me connaissent, ils savent que j'invoque souvent quelqu'un qui peut-être n'a rien à voir avec l'Église catholique, mais bon, qui pour moi est un modèle de foi. On peut connaître son nom? Oui, c'est le célèbre même cher Ibra Fall. Okay. Et donc, à chaque fois que je l'appelle, les gens se mettent à rigoler, quoi. Mais bon, c'est juste parce que j'ai lu son histoire et que je sais que, en fait, pour moi, lui, c'est juste un modèle de foi. D'accord. Quand son marabout lui dit de soulever des montagnes, il soulève. Et que nous, catholiques, on devrait être comme ça. Dans mes moments de prière, ce sont eux que je connais. Donc ce sont eux que j'invoque. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, quand quelque chose fait boum ici, directement, c'est Cheikh Rafal que je connais. C'est comme ça. Pensez-vous à vos apostasies un jour? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Si vous le dites, c'est bon. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Les jeunes sont un peu moins engagés. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la raison. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ont perdu l'engouement d'être à la paroisse un peu souvent. Et de vouloir faire des choses pour la paroisse. Sauf dans certaines paroisses que je peux donner comme exemple, parce qu'elles se sont bien organisées. Je pense à MIPA. À MIPA, les gens se sont organisés pour que les jeunes catholiques soient à la paroisse du lundi au lundi. Et ça, c'est important. Par ailleurs, dans d'autres paroisses, il y a une équipe pastorale qui est là, qui gêne même certaines activités. Je donne un exemple. Certains enfants veulent faire la catéchèse, faire le scoutisme, le guidisme ou les CVAV, mais impossible, parce qu'on leur dit que oui, samedi, il y a catéchèse. On le fait le samedi soir, donc vous ne pouvez pas aller au scoutisme, vous ne pouvez pas aller au guidisme. On passe les assignés, ils se sont débrouillés pour que ça se fasse le matin. Et que ça se fasse par les responsables des CVAV, des scouts et des guides, le matin. Donc ça veut dire que ce sont les responsables que tu as tout le week-end. Tu es avec eux le samedi, matin et soir, et tu viens à la messe des enfants le dimanche. Il n'y a rien de mieux. Ils font la fête, comme moi d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas mauvais. Il faut que les gens arrêtent de diaboliser tous ces événements qui permettent aux jeunes de se retrouver. Après, ils s'inquiètent plus pour l'aspect alcool, l'aspect dépenses, l'aspect ceci. Mais malheureusement, ces jeunes-là n'ont rien d'autre qu'on leur propose. Et qu'ils soient dans des paroisses, dans des khawarés, et plus sains, qu'ils se mettent dans des jardins en train de fumer, dans le quartier ou en train de se droguer. Après, il y a une conscientisation, c'est clair, à faire autour de ça, mais il ne faut pas qu'on se mette à diaboliser ce genre d'activités-là, qui font, heureusement pour nous, retrouver en fait une certaine communauté. Hein. Les gens se retrouvent et se reconnaissent dans la paroisse, s'entraident, apprennent à s'aimer. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est pas mauvais, peut-être qu'il faut essayer de recadrer ça. Mais la fête en soi, hein, je pense que nous tous nous la faisons, quoi. Il faut arrêter de stigmatiser les jeunes quand même. Oh, vous me posez une colle. C'était à Sainte-Thérèse, c'était en 84. C'était au mois de... I don't know, novembre peut-être, je ne sais même plus. I don't know. Et j'avais pourtant mon certificat de baptême, ça fait pas longtemps même. C'est très rare de voir un jeune catholique engagé dans la prostitution. Oui. C'est quoi le problème? Ils ont peur. Peur de quoi? Du risque. Quel risque? Les jeunes catholiques en général ont peur du risque. Que ce soit la politique ou l'entrepreneuriat.
si vous faites bien attention, il y a souvent plein de choses qui sont faites autour de l'entrepreneuriat pour les jeunes catholiques, mm-hmm. parce qu'ils ne s'y engagent pas. Nous avons été formatés de telle sorte que qu'il faut aller à la messe, qu'il faut aller à l'école et qu'après il faut avoir un patron. D'accord, pour vous c'est psychologique. C'est psychologique. Il faut avoir un patron. Nous, on n'aime pas être des patrons. Tant que tu ne rentres pas à la maison et que tu ne dis pas « Ah, mon boss, il a dit mm-hmm. », tu ne travailles pas. Alors c'est un peu ça. Je pense que pendant des années, hein, dans nos homélies, dans nos discussions, on nous a un peu fait peur. Mm-hmm. Et les jeunes catholiques ont peur de tout ça. Après, j'en retrouve après. Certains se découragent, certains n'arrivent pas à émerger parce qu'ils sont un peu trop catholiques. Trop catholiques. Ouais. Et en politique, il ne faut pas être trop catholique. Non, vous savez, chez nous, c'est un peu plus facile parce que nous sommes dans une zone, on ne va pas dire à 50% catholique, mais bon, où il y a le plus de catholiques dans le Sénégal, on va dire. Et dans notre conseil aujourd'hui, sur les 46 conseillers, vous pouvez dénombrer une vingtaine de catholiques. Oui. On va dire 16. 16 sur 46. 46. Vous allez dans un autre conseil municipal, vous n'en trouverez pas. Vous en trouverez un ou deux. Et puis, nous avons la chance d'être dans une zone où, en fait, en vérité, il n'y a pas de catholiques et de musulmans. C'est une zone catho-zulmane. En fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, si vous vivez le dialogue. Non, ici, c'est pas, on ne vit pas le dialogue. Ici, c'est un vécu islamo-chrétien. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas eu de problème. Ici, c'est un vécu. C'est comme ça depuis des années. Et vous pouvez faire le tour du quartier, vous pouvez faire le tour de la zone. Mm-hmm. Essentiellement, Baobab et Garak, vous ne pouvez pas reconnaître qui est catho ou qui est musulman. Mm-hmm. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord, politique à présent. Mm-hmm. Vos relations avec Khalifa. Khalifa, on va regarder ça. Et de votre patron. Oh, Khalifa, c'est un père pour nous. Hein. Nous sommes avec lui donc depuis 2011, parce que le mouvement Andodol El Khalifa a été créé en 2009. Mm-hmm. Et nous l'avons rejoint en 2011, donc bien avant qu'on soit conseiller municipal. Et puis voilà, il nous a soutenus, il nous a montré un peu de chemin pour pouvoir voilà, être aujourd'hui conseiller municipal et peut-être demain être autre chose. On va dire que c'est un père dans la politique. Il nous a un peu tout montré. Barthélémy, c'est un frère. Tenu-truant. On me dit souvent que je suis comme lui. On me dit souvent que je suis comme lui, même si lui, il ne le sait pas. Nous avons beaucoup de similitudes. Hein. Il est le seul garçon dans sa famille. Il a deux sœurs, une grande et une petite. Mm-hmm. Moi de même. Ok. Et voilà. On a l'habitude de dire qu'on est dur, quoi. Mm-hmm. Alors que voilà, on n'est pas dur. On veut que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Et on n'aime pas qu'on nous piétine, tout. Mm-hmm. Ah. Moi, si tu essaies de me piétiner, je t'écrase. Je suis comme ça. Bon. Monsieur Collet, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et juste le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est... pour faire un résumé de ce qui a été dit, hein, c'est demander aux jeunes catholiques de s'y mettre et de s'engager. Surtout. De ne pas avoir peur. Mm-hmm. À chaque fois, ils sont en train de répéter ce que Jean Boulder leur avait dit. N'ayez pas peur. Mais ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Donc, essayez de vous engager parce que ce pays-là et cette politique-là a besoin de vous. Elle a vraiment besoin de nous. Et à l'occasion, passez nous voir hein, si vous voulez, et puis on vous montrera un peu comment il faut faire pour pouvoir entrer dans cette sphère-là et puis apporter du meilleur. Voilà.
c'est peut-être ça le mot de la fin. Et puis, merci à vous, hein, d'avoir pensé à moi.